Et salut tout le monde, c'est Texas Tim Root d'Alesis Drum. Et je suis assis derrière le kit Alesis Crimson 2. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est vous montrer le module d'un peu plus près et qu'on explore ses fonctions plus avancées. Peut-être que vous avez déjà le module Crimson 2 ou que vous souhaitez en acquérir un et savoir exactement de quoi il est capable. Donc c'est le module Crimson 2. Ici, nous allons survoler les fonctions basiques. Tout d'abord, il faut savoir que ces quatre boutons sont très importants. Ce sont vos accès principaux à tous les menus. Avant tout, celui-ci est votre accès au kit. Vous avez 74 kits de batterie ici, 54 kits d'usine et 20 kits utilisateurs que vous pourrez paramétrer. En appuyant sur le bouton « Kit », nous pouvons voir que le kit Funk numéro 6 est chargé. Il est alors possible de naviguer de cette façon avec le curseur principal. Okay? En appuyant sur « Kit » une seconde fois, nous accédons au kit utilisateur. C'est donc très simple de naviguer entre ces deux banques. Voilà comment on change de kit. Maintenant, si on veut accéder au mode « Songs », il y a 120 différents morceaux sur lesquels on peut jouer par-dessus, s'entraîner ou même s'enregistrer, ce qui est vraiment cool. Alors en appuyant sur « Song », on accède à tous les morceaux d'accompagnement, c'est simple. Et bien sûr, ça c'est le mode « Click ». Voilà, c'est là qu'on active le métronome. Le bouton « Save » est très important pour enregistrer son propre kit. Par exemple, quand vous avez personnalisé votre kit et que vous souhaitez le sauvegarder. Vous pouvez l'enregistrer dans vos kits utilisateurs. On va maintenant aller dans le mode « Kit ». Ces boutons bas et haut vous permettent d'accéder au sous-menu. Donc, si j'appuie sur « Down », j'accède au volume. C'est le volume général du kit. Si je veux égaliser mon kit, disons par exemple ajouter un peu de basse ou de médium, il suffit de descendre, modifier l'égalisation. Donc ici, les aigus, les médiums et les basses. Voilà. Et maintenant, en appuyant sur le bouton « Menu », on accède à de nouvelles fonctionnalités, où on peut modifier plein de choses. C'est désormais mon menu principal. Il y a « Voice », ce qui est les échantillons. Il y a « Trigger », qui est la sensibilité, la courbe de dynamique. Basiquement, comment agit chaque pad et comment le régler, comme vous le souhaitez. Ça, c'est dans Trigger que ça se passe. Utility, c'est là que se trouvent les autres fonctions. USB Memory, c'est là que vous pouvez mettre vos propres échantillons. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Factory Reset, ça c'est si vous avez tout mélangé et que vous êtes perdu et que vous souhaitez remettre le module dans sa configuration d'usine. C'est là que ça se passe. Enfin, vous avez les paramétrages de la pédale de Charley. Donc, allons dans le menu principal, qui est Voice. Quand on est en mode Voice et qu'on appuie sur Enter, on est ainsi dans le menu Voice. Ce qui signifie qu'en frappant un pad ou une cymbale, on peut modifier son son maintenant. Donc, modifions celui de la caisse claire. Pour l'instant, on a une caisse claire standard de 14 pouces, numéro 42. On peut facilement la modifier. On peut naviguer parmi les 672 sons disponibles et l'attribuer à n'importe quel pad. Donc par exemple, si ici on veut une grosse caisse, on descend dans les grosses caisses, et voilà, double grosse caisse. C'est basiquement de cette façon qu'on modifie une voice. Si on veut faire d'autres modifications à cette voice, on peut descendre à volume par exemple. Maintenant, au lieu de modifier le volume entier du kit, on modifie le volume uniquement de la caisse. Ensuite, on a panoramique. C'est ici qu'on peut spatialiser un instrument, à gauche, au milieu, à droite, où on veut. Et ce que je fais sur la caisse claire, on peut le faire sur n'importe quel pad, cymbale, les mélanger et faire ce qu'on veut. On peut vraiment la paramétrer à ses souhaits. Voilà. Alors si on veut par exemple une caisse claire plus rock'n'roll, ou plutôt piccolo, voilà, donc on peut accorder ces caisses. Ici, on peut aussi ajouter de la reverb. En dessous, on a le decay pour raccourcir ou allonger la note. Et enfin, mode pour activer, désactiver les boucles et définir comment réagissent les pads. Voilà, concrètement, c'est très simple. On ressort du sous-menu et on est dans Kit. On appuie sur « Menu », «
puis Voice, puis Entrée, et là, vous montez ou descendez, et ça change tout ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça pour modifier vos Voices. J'aimerais maintenant vous parler d'un truc cool. Ce sont les songs. Les songs sont vraiment cool, car elles vous permettent de vous entraîner. Vous avez tous les styles, du funk, reggae, rock, jazz, swing, big band, tout ce que vous voulez. C'est vraiment bien si vous n'avez pas toujours un groupe avec qui jouer et que vous voulez répéter dans n'importe quel style pour s'entraîner. Alors, j'appuie sur Song et maintenant, je suis à la 23, qui est ma favorite, Reggae Song. Pour la jouer, il suffit d'appuyer sur le bouton Stop Start. En dessous, vous avez la possibilité de régler le volume d'accompagnement ou de batterie. OK ? Alors modifions le volume d'accompagnement. Donc je le rejoue. Voilà. On peut aussi modifier le volume de la batterie, si on veut travailler cette partie par exemple. Ou encore enlever la partition de batterie. Voilà, et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Vous avez aussi la possibilité de prendre une song et de la lancer directement à partir d'un pad, ce qui évite d'appuyer sur le bouton Start. Alors, voici comment on fait. Retournons sur Kit, entrons dans Menu, et maintenant, rentrons dans Voice et Entrée. Et descendons tout en bas sur ce qu'on appelle Pad Song. Mettons-le sur une cymbale. Donc, Pad Song, numéro 23. Et là, ça devrait être la Reggae Song. Et c'est vraiment pratique de pouvoir lancer un morceau directement à partir d'un pad, d'une cymbale, d'un tom ou d'un rime, et vraiment s'amuser. Sachez qu'il y a aussi un enregistreur interne. Donc, ce qui est possible, c'est de s'enregistrer jouer de la batterie pour se réécouter. Et on peut aussi s'enregistrer jouer par-dessus une song. Donc, je suis en mode song. Il suffit de lancer record. 3, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et en appuyant sur stop, on peut ensuite réécouter. C'est aussi simple que ça. Il y a aussi un clic. On peut faire son propre métronome. Il suffit d'appuyer sur clic et on peut modifier son tempo. 120. J'adore 120. Et voilà, jouer avec le clic. Il est aussi possible de changer la signature de temps. 5, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Et 7-4, vous savez jouer 7-4? Ok, en dessous, on peut modifier le volume. Le monter, et si vous êtes sourd comme moi, montez-le. On peut aussi changer les intervalles. Enfin, voilà, vous avez l'idée. Nous avons donc un clic entièrement paramétrable. Il suffit d'appuyer sur clic, et si vous voulez le modifier, appuyez sur tempo. Tout est avec ces boutons.
pour accéder au menu Click, Song, etc., et naviguer dans les menus avec les boutons haut et bas, tourner la molette, c'est comme ça que ça marche. Voilà, quelques autres choses cool. Comme enregistrer un kit, c'est très important. Alors, appuyez sur Kit, prenons Acoustique par exemple. Rentrons dans Menu, Voice, et changer son son. Maintenant, en appuyant sur Save, on peut le renommer. J'acoustique, par exemple. OK. Valider en appuyant sur Save, puis Enter. Voulez-vous vraiment l'enregistrer en 1? Oui. Il suffit d'appuyer sur Enter. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, quelque chose de super qu'on peut faire avec le module Crimson 2, c'est de pouvoir importer ses propres échantillons. On peut utiliser une clé USB d'une capacité maximum de 64 Go, formatée en FAT32. Une fois que vos échantillons sont sur la clé, tant que ce sont des fichiers WAV ou même des MP3, vous pouvez mettre la clé ici, la clé va monter. Après, si on veut prendre un échantillon et le lancer ici ou le mettre en boucle, c'est possible. Il suffit d'aller dans Menu et de descendre jusqu'à USB Memory. Appuyez sur Entrée pour valider. On va maintenant charger un échantillon. Voici tous les échantillons présents sur la clé. OK, choisissons le premier. Il se charge. Valider avec Entrée. Charger User Voice. Oui, Entrée. Et voilà, ça charge. Donc maintenant, retournons sur Kit. Prenons notre kit personnalisé. Puis dans Menu, Voice, Enter. Maintenant, je retourne aux utilisateurs. Je suis en User 82 parmi les 670 sons. OK, le voilà. Et on peut maintenant jouer avec. Une fois que l'échantillon est chargé, on peut le jouer en mono mode pour qu'il joue une seule fois, ou en mode loop pour qu'il boucle tout seul. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'avec le module Crimson 2, on peut personnaliser ses kits. On peut charger ses caisses claires, des gongs, des chiens qui aboient, bref, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Si vous en êtes là, vous avez vraiment tout compris. Laissez-moi vous rappeler ce qu'on a vu. Kit, il y a 74 kits. Vous pouvez jongler entre les kits Factory et Users. Songs, vous avez 120 morceaux que vous pouvez prendre et les lancer directement à partir des pads. Menu, c'est là où vous allez pour éditer et toutes les autres fonctions. Vous avez aussi un métronome entièrement paramétrable. Tap tempo, vous pouvez vous enregistrer. Enfin, c'est vraiment un super module. Donc, allez voir votre vendeur pour le tester et à bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts? C'est parti!